Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de rencontres, comme certains d'entre vous le savent déjà, qui a été organisé, pensé et conçu dans un double cadre. Le premier cadre est celui de l'entrée au Panthéon de Missak Emeline Manouchian, qui est intervenu le 21 février dernier, jour du 80e anniversaire de l'exécution de Missak Manouchian et de 21 de ses camarades résistants et étrangers au Mont Valérien. Ces résistants appartenaient au FTP et MOI de la région parisienne, FTP et MOI pour francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui sont des groupes qui ont été créés en avril 1942 par le Parti communiste français pour intensifier la guérilla urbaine contre l'occupant. Et nous n'oublions évidemment pas, jamais, mais encore plus en cette veille de 8 mars, Golda Bancik, qui a également été arrêtée en novembre 1943 et qui sera, elle, guillotinée le 10 mars 1944 à Stuttgart. Le deuxième cadre de ce cycle est l'exposition des étrangers dans la résistance en France, qui se tient actuellement au Mémorial de la Shoah. Vous avez dû voir une partie de l'expo en descendant vers cet auditorium. Et le commissariat scientifique de cette exposition a été assuré par l'historienne Renée Poznanski, qui est parmi nous ce soir, et par Denis Péchanski. Et donc, je le disais, nous sommes le 7 mars, et donc en cette veille de la Journée internationale des droits des femmes pour laquelle nous nous mobilisons chaque année, nous avons souhaité organiser une rencontre pour discuter de la part prise par les femmes juives dans la résistance des étrangers. Et c'est suite à la lecture de l'ouvrage dirigé par Édouard Sill, Solidarias, les volontaires étrangères et la solidarité internationale féminine durant la guerre d'Espagne, qui est paru récemment aux presses universitaires de Rennes, que nous sommes dit que ce serait intéressant de débuter au fait cette rencontre en partant de la guerre d'Espagne, de la guerre civile espagnole. Pourquoi? Car ce conflit peut, à bien des égards, être considéré comme le prélude, le banc d'essai, la matrice de la Seconde Guerre mondiale. Et ce constat est particulièrement pertinent au regard de l'engagement des futurs opposants et opposantes au nazisme et à Vichy, dont une certaine partie aura fait ses armes durant le combat antifasciste mené contre les franquistes en 1936. Et comme le montre bien Édouard Sill dans l'introduction de cet ouvrage collectif, la guerre d'Espagne constitue également un moment fondateur dans la participation des femmes comme protagonistes d'un conflit, à la fois dans ses aspects militaires et dans ceux liés à la mobilisation solidaire internationale. Nous avons donc demandé à Édouard Sill de nous produire une communication en nous parlant des volontaires juives au sein des brigades internationales, corps qui était de loin le plus féminisé et dont la majorité des volontaires étaient juives. Et pour continuer à créer des passerelles entre la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, nous avons demandé à Renée Poznanski de poursuivre le récit en nous parlant de l'engagement des femmes juives contre l'occupant nazi et contre Vichy. Et c'est donc Zoé Grimbert qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour présider cette rencontre. Zoé, vous êtes historienne. Votre thèse a porté sur le secteur juif du Parti communiste français de la libération à la fin des années 50, thèse qui sera bientôt publiée. Et dans la continuité de ce travail, vous avez publié récemment un article sur la place des femmes au sein du secteur juif du PCF. Et vous travaillez actuellement sur la prise en charge collective des enfants juifs après la Shoah, en étudiant leur trajectoire sur les plans politiques, professionnels, intimes et mémoriels. Donc, à la fin de cette table ronde, vous aurez comme toujours la possibilité de poser des questions à nos invités et de vous procurer le très, très bon ouvrage d'Édouard Sill et de le faire signer. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Julie. Merci au Mémorial pour l'invitation à présider cette rencontre. Je suis ravie de pouvoir. Ça marche, mais il ne faut pas parler trop près, m'a-t-on dit. Je suis ravie de pouvoir présenter ces présentations. Donc, avant de présenter nos deux invités, je voudrais
ce qu'on m'a demandé de faire, lancer deux ou trois pistes de réflexion. Je vais en lancer deux et j'en garde une pour la suite. Réflexions donc, qui pourraient nous aider à essayer de prendre un peu de champ par rapport à la place des femmes dans ce qu'on peut appeler la résistance ou les combats. On va en discuter. La première de ces réflexions porte sur l'historiographie des femmes dans la résistance. Je voudrais revenir sur un article en fait, paru en 1995 par une historienne souvent oubliée aujourd'hui, Rita Thalmann, qui faisait le constat en 1995 de l'oubli des femmes dans l'historiographie de la résistance jusqu'aux années 80 à peu près. Elle mettait au jour deux facteurs explicatifs de cet oubli des femmes dans la résistance. Le premier, ce serait la dévalorisation de leur rôle, jugé secondaire en raison du type de résistance qui n'était pas une résistance armée. Mais on va en discuter. La deuxième raison, c'était ce qu'elle appelle la nationalisation de la résistance après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle entend par nationalisation ? C'est une vision de la résistance qui tendrait à passer sous silence le rôle des étrangers et des femmes. Vous allez me demander quel est le lien ici dans cette nationalisation sur la place des femmes. Ce qu'elle constatait, en fait, Rita Thalmann, c'est qu'il y avait deux profils de femmes qui apparaissaient au sein de la résistance. Le premier profil, c'est des femmes jeunes, souvent à partir de 16 ans. Pourquoi jeunes ? Parce que c'est des femmes qui n'étaient pas attachées à un foyer, pas attachées à une famille, et qui pouvaient plus facilement que d'autres passer à la résistance, passer à la clandestinité. Il faut penser ce que c'est pour une femme d'abandonner potentiellement son foyer, ses enfants, ce n'est pas rien. Donc pour les jeunes femmes, il y avait un saut à franchir qui était peut-être moins important que pour des femmes installées. Le deuxième profil de femmes dans la résistance, c'était les femmes étrangères et en particulier les femmes juives d'Europe orientale. Pourquoi ? Parce que c'était des femmes qui étaient issues de l'immigration, issues souvent même de l'exil, qui avaient déjà vécu pour certaines des formes de persécution dans leur pays, notamment en Pologne, qui étaient arrivées en France à la suite donc, de parcours et de trajectoires difficiles qui avaient conduit à la séparation avec leur famille restée en Pologne. Et ces femmes-là, arrivées au moment de la Seconde Guerre mondiale, étaient des femmes qui avaient déjà une expérience préalable, on le verra dans les deux communications, je pense, et qui avaient, en un sens, pas grand-chose à perdre, si on voulait, parce qu'elles savaient qu'elles étaient de toute façon confrontées à un risque de mort pour les femmes juives. Et donc, ces femmes, ces étrangères-là ont joué un grand rôle dans la résistance, et la nationalisation de la mémoire de la résistance a contribué à les passer sous silence. Mais depuis une quarantaine d'années, l'historiographie de la place sur les femmes dans la résistance a beaucoup évolué, s'est beaucoup développé. On ne peut plus dire aujourd'hui que l'historiographie ne parle plus des femmes. Elle s'est développée dans deux directions principales. Une première direction, qui est une direction pour appeler d'histoire des femmes. C'est donc les travaux d'histoire des femmes, en particulier sur les femmes dans la résistance, essayent de mettre au jour le rôle joué par ces femmes dans la résistance. Et donc c'est ce qu'on verra dans notamment la communication de René. Quel est le rôle de ces femmes ? Comment agissent-elles ? Cette historiographie montre que les femmes sont présentes dans presque toutes les formes de résistance, dans une moindre mesure la lutte armée évidemment, mais qu'elles sont sinon présentes dans tous les rôles. Et ce qui nous intéresse en particulier chez les femmes juives, c'est leur engagement dans un type d'action, c'est la question du sauvetage des enfants dans lequel elles ont été très présentes. La deuxième approche, c'est une approche d'histoire du genre, une approche d'histoire du genre donc, qui essaye de comprendre s'il y a une spécificité dans la nature féminine qui expliquerait un engagement particulier. Est-ce que le fait d'être femme justifie une forme d'engagement ? Est-ce que le fait d'être femme explique un engagement selon des modalités particulières ? Donc c'est notamment l'historienne Catherine Lacour-Astol qui a écrit un livre sur le sujet. Aujourd'hui, je pense qu'on va aborder, on va toucher du doigt ces réflexions. Et ça m'amène à ma deuxième point de réflexion qui a été introduit par Julie, qui est la question de la place matricielle de la guerre d'Espagne dans l'engagement des femmes dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la question à se poser, c'est qui sont ces femmes ? Quel type d'engagement ? Comment peut-on caractériser leur engagement pendant la guerre d'Espagne ? Est-ce que c'est de la résistance ? Est-ce que c'est du combat ? C'est une question que je pose dès maintenant. Et dans quelle mesure cela les prédispose-t-elle à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est les deux premières pistes de réflexion que j'ouvre pour l'instant. J'en garde une troisième pour la suite. Et donc, je vous présente maintenant nos deux invités. Édouard donc, est
docteur en histoire, chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, et il vient de diriger donc, le livre dont Julie nous a parlé, donc Solidarias, un livre avec de très belles contributions. Il va nous présenter aujourd'hui sa contribution, j'imagine, sur les femmes juives dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Et ensuite, nous aurons donc René Poznanski, que vous connaissez bien, qui est professeur émérite de sciences politiques à l'université Ben Gurion, qui a rédigé plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui travaille actuellement un ouvrage sur la résistance des Juifs en France, et qui va nous présenter ses réflexions sur la place des femmes dans la résistance juive et sur ces résistantes juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous laisse la parole à Edouard pour 15 minutes. Je surveille. C'est entendu. Eh bien, ma foi, en 15 minutes, bonjour à tous et à toutes. En 15 minutes, je vais tâcher d'aller à grands traits sur la présentation donc, de ce groupe si particulier qui nous intéresse ce soir. Je précise également à propos de ma propre biographie que je suis spécialiste des brigades internationales et un ouvrage sur le sujet sortira en septembre aux éditions de la Sorbonne. Ce sera peut-être l'occasion de revenir le présenter. Les volontaires juifs dans les brigades internationales, c'est déjà en soi un titre restrictif. On aurait pu parler, par exemple, des volontaires juifs durant la guerre d'Espagne, ce qui aurait évidemment élargi l'espace, ici réduit dans une formulation, dans une forme plutôt à la fois politique et combattante hors du commun que furent les brigades internationales, un organisme, pourrait-on dire, militaire donc et politique, qui est une création du Comintern, donc du communisme, qui a voulu, en octobre 1936, donner une forme particulière à sa solidarité avec les républicains espagnols au travers de la formation d'unités combattantes, des unités combattantes que vous connaissez bien, sur lesquelles je ne vais pas revenir, hein, les 5 à 7 brigades internationales qui ont réuni probablement autour de 50 000 volontaires venant d'après ma thèse, de 77 pays hein, différents, 77 nationalités. Donc, on recouvre naturellement une surface globale. Or, ces brigades internationales, en réalité, elles distinguent surtout un fusil. Mais elles ne distinguent pas du tout quelle est la véritable surface à la fois de l'organe et des volontaires qui l'ont rejointe, puisque les brigades internationales militaires ont été immédiatement associées à une autre structure moins connue, le SSI, le Service Sanitaire International, qui furent d'autres brigades internationales sanitaires. Du fait de la distinction de genre qui s'est opérée très rapidement dans la guerre d'Espagne, je vous le rappelle, avait provoqué une rupture majeure dans la division sexuelle traditionnelle des tâches, la guerre d'Espagne voit des femmes participer aux mêmes tâches que les hommes, y compris dans celle de l'activité combattante, de l'activité militaire. Cette situation ne durera en fait peu de temps, on pourra y revenir peut-être pendant la discussion, mais c'est un fait, des femmes ont combattu et des étrangères ont combattu. Mais la majeure partie des femmes dont nous allons parler, dont je vais vous parler rapidement donc ce soir, eh bien on rejoint le service sanitaire international, ces brigades en blouse blanche, comme elles furent appelées à ce moment-là. Et c'est donc une particularité de ce volontariat féminin, c'est un volontariat extrêmement qualifié. Là où évidemment n'importe quel individu de sexe masculin pouvait à peu près se présenter en Espagne pour porter un fusil ou mettre un obus dans un canon, eh bien pour les femmes, elles étaient effectivement réduites à des qualifications, des qualités qui font que nos volontaires femmes et les volontaires juives majoritaires au sein de ces corps féminins, eh bien, sont surqualifiés. On y retrouve des femmes ayant fait beaucoup d'années d'études ou avec des niveaux de qualification tout à fait supérieurs à ceux des hommes. Alors, ces femmes volontaires, ces juives volontaires parmi les femmes, en réalité, on a bien du mal à les retrouver. Pourquoi ? Parce que la question de la judéité, naturellement, pose problème à l'historien. Nous avons deux groupes au sein de ces juifs. Nous avons celles qui sont au courant de leur judéité, soit parce qu'elles l'affirment, soit parce qu'elles sont elles-mêmes de religion juive, ou parce que, plus simplement et plus communément, elles souffrent naturellement de cette judéité, et leur parcours en Espagne est profondément marqué par cette dimension, cette identité singulière. Mais vous avez à côté d'elles un certain nombre inconnues de jeunes femmes qui, elles, ne sont pas au courant exactement de cette judéité dont, évidemment, vous saurez que les Allemands, les nazis, vont les mettre en confrontation avec judéité durant l'occupation.
Parmi ce premier groupe que je vais évacuer très rapidement se trouvent la plupart des volontaires juifs françaises ou belges qui n'ont découvert finalement qu'au-delà d'être communistes, au-delà d'être antifascistes, au-delà d'avoir été dans les brigades internationales, elles étaient finalement au fond du fond juives. C'est le cas par exemple d'une volontaire française absolument hors du commun, Jeannette Bloch, qui fut l'une des seules femmes commissaires politiques dans les brigades internationales, qui fut même en Espagne avant la création des brigades internationales, qui a participé au seul débarquement, la seule opération amphibie menée par les républicains pour s'emparer des Baléares. Et bien sur les plages des Baléares, il y avait la française Jeannette Bloch et son fusil et son attirail communiste pour motiver donc les miliciens autour d'elle. Jeannette aura un parcours extraordinaire qu'on retrouvera dans la résistance ensuite entre 1941 et 1944. Il est évident que Jeannette a pu s'appuyer sur son caractère de vétérane, de baroudeur, même pourrait-on dire, au sein de l'Espagne. Mais c'est une exception en réalité. La plupart des Juifs dont je vais vous parler, elles sont arrivées en Espagne parce qu'elles appartenaient. Combien de temps me reste-t-il ? 5 minutes à peine ? En plus, alors allons-y, je peux vous présenter plusieurs groupes. Bien, ces volontaires juives en Espagne, elles viennent en Espagne pour des raisons en réalité très différentes, parce qu'elles-mêmes sont issues de groupes particulièrement différents. J'ai travaillé d'ailleurs sur une distinction de ce groupe qui est par rapport à un pays qui n'existe pas, qui n'a probablement jamais existé, et qui de toute manière a été détruit par les nazis, c'est le Yiddishland, c'est-à-dire cet espace qui est situé sur la Russie et sur l'Europe orientale, qui recouvre un certain nombre de pays, de la Pologne à l'Ukraine, et dont provenaient la plupart de ces volontaires juives venant de ces différents pays, ou plus exactement, dont les parents étaient issus de ces pays. Au sein de ce Yiddishland imaginaire, qui n'a donc de frontières en réalité que cette présence massive d'une certaine culture de la judéité, eh bien, j'ai reidentifié deux groupes différents, un Yiddishland de l'intérieur, c'est-à-dire des jeunes femmes venant de ce Yiddishland, des pays de ce Yiddishland, les Polonaises, les Roumaines, et d'autres d'un Yiddishland de l'extérieur, dans lequel j'ai identifié des jeunes femmes venant de Palestine et des États-Unis notamment. C'est-à-dire qu'elles descendaient ou elles-mêmes provenaient directement de ces pays appartenant donc à cet espace imaginaire, le Yiddishland. Eh bien, ces quatre groupes, on pourrait en rajouter, en réalité, sont arrivés en Espagne pour des raisons tout à fait différentes. Prenons par exemple le cas des Polonaises, parmi les plus nombreuses, notamment dans le corps des infirmières. Ce sont des jeunes femmes généralement très peu qualifiées, ce sont des prolétaires, ce sont des travailleuses qui, majoritairement, ont rejoint la guerre d'Espagne parce qu'elles étaient elles-mêmes militantes communistes. Et c'est en tant que communistes qu'elles sont parties en Espagne, et parfois même, elles n'étaient pas du tout infirmières. Elles ont pris des cours accélérés de médecine pour pouvoir justement rentrer dans les brigades internationales. Pourquoi ? Parce qu'une femme sans qualité ne peut pas intégrer les brigades internationales. Elle n'était acceptée, certes. Déjà, l'acceptation des femmes était quelque chose d'extraordinaire. Aucune armée du monde n'acceptait des femmes à ce moment-là. Il y a une mythologie autour de l'armée rouge, mais c'est tout à fait faux. Cette intégration des femmes dans l'armée rouge, elle est bien plus tardive. Les brigades internationales, premier corps mixte, pourrait-on dire, de l'histoire, acceptaient les femmes à condition qu'elles soient qualifiées. Pour ces Polonaises de l'immigration, de France, de Belgique notamment, il fallait donc se former, si on ne l'était pas, pour pouvoir rejoindre l'Espagne. Rien à voir avec les Autrichiennes. Parmi les plus nombreuses, puisque dans le corps des Autrichiennes, des volontaires autrichiennes, 62% d'entre elles étaient juives. Qui sont-elles ? Elles sont au contraire des femmes extrêmement qualifiées, des médecins, des radiologues, des spécialistes, des pharmaciennes qui ont, vous vous en doutez, été chassées progressivement par les lois antisémites et renvoyées vers Prague, Paris et évidemment, in fine, vers l'Espagne. Pourquoi vers l'Espagne ? Eh bien, parce que la France, les syndicats de médecins notamment, ont obligé la France à adopter un numerus clausus restreignant l'accès d'un certain nombre de professions aux étrangers. Et ces femmes jeunes et moins jeunes, quatre très qualifiées venant par exemple de Vienne, ont été obligées de s'intéresser à ce qu'il se passait en Espagne tout simplement pour pratiquer. Tout simplement aussi pour finir leurs études et pouvoir devenir médecin, mais aussi parce que c'était l'Espagne, un pays du possible, un pays du futur. La victoire en Espagne, cela signifiait la création d'un espace de liberté, d'un espace dénué d'antisémitisme dans lequel ces femmes pouvaient éventuellement envisager de refaire leur vie.
Rien à voir non plus avec un autre groupe, celui-ci toujours issu directement du Yiddishland, les volontaires roumaines. Les volontaires roumaines, celles en tout cas qui venaient de Roumanie directement, un quart d'entre elles, toutes les autres venaient de l'immigration. Eh bien, que s'est-il passé en 1937? Les lois antisémites les frappent durement et elles sont obligées, elles aussi, de devoir quitter la Roumanie et de trouver un pays d'accueil. Là aussi, l'Espagne a pu paraître comme un espace d'accueil pour ces jeunes femmes, y compris pour les femmes qualifiées, à la fois pour leur métier, mais aussi évidemment pour pouvoir lutter contre cet antisémitisme dont elles étaient la victime directe. Elles avaient pu voir de quoi les pogroms étaient le nom en Roumanie. Rien à voir non plus, cette fois-ci, sur mes deux derniers groupes, les Américaines. Les Américaines, elles viennent très, très majoritairement des dispensaires de New York, des dispensaires juifs de New York, et c'est dans les dispensaires juifs de New York que les réseaux de solidarité avec l'Espagne sont allés recruter des infirmières qualifiées, et elles sont parties en groupe, plusieurs groupes d'infirmières américaines, très fières d'ailleurs de leur profession, et très fières aussi de pouvoir se rendre en Europe pour rendre service à l'Europe, rendre service à une population certes non juive, mais en se revendiquant comme juive, une attitude tout à fait singulière dans le corps des volontaires juives prises dans leur globalité. Et dernier groupe, les Palestiniennes. Là, on est sur une situation très différente. Pourquoi ? Parce que ces volontaires juifs venant de Palestine, ce sont encore une fois des volontaires communistes déçus. Déçus parce que, en 1921, déjà, le Comintern avait associé le sionisme à l'impérialisme. Mais à partir des années 30, le sionisme devient tout simplement un fascisme. Et en 1930, dans la doxa communiste. En 1934, Staline oblige le Parti communiste de Palestine à s'arabiser. Et c'est d'ailleurs un arabe qui prendra la tête du Parti communiste de Palestine, créant un trouble que vous imaginez majeur dans les rangs des militants communistes de Palestine, dont certains, des hommes surtout, choisissent à ce moment-là, pour ne pas rentrer en rupture avec le parti, de demander à partir en Espagne pour combattre plutôt que de rester en Palestine. Mais pour ces Palestiniennes, certaines elles, également en rupture de banc rejoignent l'Espagne, mais la plupart d'entre elles, en réalité, sont allées en Espagne. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été expulsées par la police britannique et il fallait bien un pays d'accueil pour ces expulsées par la police britannique. Là encore, l'Espagne a pu correspondre à un asile. Donc vous le voyez, à la fin de mon intervention, eh bien, ces volontaires juives en Espagne, qui toutes, enfin, pour la très, très grande majorité d'entre elles, vont rejoindre le corps médical des brigades internationales, elles sont en Espagne pour des raisons finalement relativement différentes, mais avec une conscience de l'antifascisme qui évidemment les précédait. Que ce soit les Polonaises de Belgique ou de France, que ce soit évidemment les Roumaines ou les Palestiniennes, la dimension naturellement de la judéité antifasciste s'imposait évidemment dans le fait d'être présent en Espagne, mais il ne faudrait tout de même pas oublier que cette Espagne, que l'Espagne républicaine a pu constituer un espace, le dernier espace d'accueil pour des juifs en déshérence, pour des juifs renvoyés, pour des juifs donc martyrisés hein, dans un certain nombre de pays, y compris sur des situations que nous n'avons, que je n'ai pas eu le temps de développer. Mais l'Espagne a pu représenter donc un espace nouveau, un pays nouveau qu'il fallait conquérir par les armes, dans le sens où il fallait d'abord l'aider à défendre, l'aider les Espagnols à se défendre pour leur liberté avant d'aller la gagner la leur. J'espère ne pas avoir été trop long. Ah, j'ai encore. Eh ben, c'est parfait. Donc à ce moment-là, ça va pouvoir me permettre de vous parler d'un certain nombre, plus particulièrement d'entre elles. J'ai, à titre personnel, un attachement assez particulier pour ces jeunes femmes infirmières qui ont rejoint les brigades internationales en espérant aussi parfois autre chose. Il ne faudrait pas oublier que pour ces jeunes femmes, notamment pour un certain nombre de Palestiniennes, il a été difficile d'être confinées ou réduites finalement à un rôle sanitaire ou un rôle médical, alors que la raison de leur présence en Espagne était déterminée, comme les hommes, par l'occasion du combat. Et là encore, c'est une différence entre les volontaires juives. Pour les volontaires infirmières américaines qui sont venues en arrivant au Havre, drapeau américain en tête, dans un uniforme très tout à fait singulier des infirmières américaines, elles arrivaient certes en tant que juives, mais pour pouvoir pratiquer un art dans le cadre du Caire. Hein, on est tout à fait dans la tradition de Florence Nightingale et ces volontaires, elles ne s'inscrivaient elle s'inscrivait beaucoup moins dans un espace communiste que celui justement de ce transnationalisme introduit par la révolution
de Nightingale et du Caire, à la fin du 19e siècle. Rien à voir donc évidemment avec les volontaires communistes arrivés parfois parce que leur frère, leur mari tout simplement, était parti en Espagne et que le départ en Espagne s'est opéré pour énormément de volontaires en couple. Et pour ces couples de juifs qui quittent Bruxelles, qui quittent Paris, eh bien, il est hors de question de laisser derrière une jeune femme, de laisser derrière la famille. Il faut donc opérer un départ en groupe vers l'Espagne. Et une fois arrivé en Espagne, il faut pouvoir y rester. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces juives des services sanitaires, en réalité, elles ont dû se former à devenir infirmières ou aides-soignantes en Espagne, tout simplement pour pouvoir rester dans le pays. Pour pouvoir rester dans le pays parce que l'Espagne républicaine avait un certain nombre de lois et surtout a opéré un bras de fer avec la France sur la question des étrangers. Puisque la France ne voulait plus autoriser le fait que des volontaires étrangers puissent pénétrer en Espagne, eh bien l'Espagne a appliqué des lois particulières. Des lois, peut-être pas, mais en tout cas un contrôle social assez dur en direction des étrangers qui ne participaient pas directement à l'effort de guerre. Donc pour ces hommes qui sont partis combattre en Espagne accompagnés de leurs femmes, de leurs compagnes ou peut-être de leur mère, j'ai un cas d'une Française, eh bien il a fallu donc donner des raisons aux Espagnols de rester en participant donc utilement à la lutte. Je termine mon intervention sur un groupe particulier d'infirmières volontaires de Belgique sur lequel un très beau film documentaire a été fait qui s'appelle Las Mamas Belgas, les mamans belges, qui raconte cet itinéraire tout à fait incroyable de jeunes polonaises recrutées par les socialistes belges afin de venir pratiquer dans un hôpital en Espagne organisé par la Solidarité socialistes et notamment par les socialistes belges pour pouvoir faire la démonstration que les socialistes eux aussi, pas que les communistes, mais les socialistes aussi participaient à la solidarité et à l'aide avec l'Espagne antifasciste. Eh bien, c'est une vingtaine de volontaires polonaises venues de Belgique, sont parties en groupe, se sont formées pour la plupart en Belgique, sont parties en groupe et elles ont pu s'occuper directement jusqu'en 1939 pour certaines d'entre elles, donc très tardivement. Elles sont restées en Espagne pour certaines d'entre elles bien après la disparition des brigades internationales. Et on a des témoignages tout à fait déchirants du départ de ces jeunes femmes juives obligées de quitter l'Espagne alors que le combat continue, mais tout simplement parce que la pression de l'ennemi devient évidemment trop forte et elles furent évacuées vraiment dans les derniers jours de la guerre. Ce groupe donc de jeunes polonaise de Belgique a fait l'objet de ce film tout à fait fondamental. C'est le seul exercice de mémoire collectif qui a été fait sur un groupe de volontaires juives durant la guerre d'Espagne. Je pense que là... Ah, voilà. Je vous remercie. D'abord, bonsoir à tous et je remercie le Mémorial d'avoir organisé cela et je suis ravie d'être en compagnie de ces deux brillants chercheurs dont j'ai lu avec passion les travaux, ou en tous les cas une partie d'entre eux. Et là, c'est bravo à eux deux d'abord. Je m'apprêtais à faire un peu comme a fait mon voisin et à vous présenter quelque chose de très structuré sur les différentes caractéristiques de la résistance des femmes juives. Et puis, alors j'avais déjà préparé ça, plus ou moins, j'ai dit non, ça ne me va pas. Et je me suis dit que j'allais plutôt commencer par des portraits de femmes, parce que je pense qu'elles, par leur diversité, par leur parcours, par ce qui caractérise leur identité également, puisque Edouard a beaucoup parlé des questions d'identité, je vais y revenir, elles illustrent un certain nombre de choses qu'après, je vais essayer, sur lesquelles je vais revenir ensuite. Alors, je vais donc commencer par les femmes, par des portraits de femmes. Et la première, comment ne pas commencer par elle, c'est évidemment Golda Bancic. On a beaucoup parlé d'elle et elle est née en Bessarabie en 1912, une famille juive. Et ce qui la caractérise comme ce qui caractérise d'autres femmes, dont une autre dont je vais parler qui est Irma Mico, elle a déjà eu une activité communiste en Roumanie. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises, dès l'âge de 16 ans, très 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 jeune.
Et alors, elles viennent, toutes ces femmes, qu'elles soient polonaises ou roumaines, juives polonaises ou juives roumaines, de milieux extrêmement différents. Certaines viennent de milieux intellectuels, d'autres de milieux ouvriers. Certaines, ça, on ne peut absolument pas parler d'une spécificité particulière en ce qui concerne les milieux dont elles sont issues. Et alors, elle a été mariée à un militant communiste très tôt, qu'elle a connu très jeune, Jacob Salomon. Et là, je reviens à un autre point qui a été soulevé par Édouard. C'est pas seulement du militantisme en couple. C'est que le militantisme communiste en particulier est un militantisme familial. Il y a souvent des familles entières qui sont impliquées. Et de ce fait, les femmes jouent un rôle extrêmement important. C'est parce que toute la famille est impliquée d'une façon ou d'une autre, donc elles y sont. Et autre point, elle arrive à Paris en 1938, et autre point qui nous ramène à ce que nous a dit Édouard, en 1939, elle a une petite fille qu'elle appelle Dolores. Dolores, c'est un directement lié à, évidemment, la passionnariat. Elle a été très vite en France, à partir de 1938, militante à la MOI. Ensuite, elle est entrée dans les FTP MOI et elle a fait un travail que peu de femmes ont fait en réalité. On y reviendra. Elle a transporté des armes, elle a transporté des munitions et elle a fini par être responsable du dépôt d'armes des FTP MOI de la région parisienne. C'était vraiment chez elle et elle dirigeait un groupe de jeunes femmes et c'est elle qui distribuait les armes, qui distribuait les grenades. Elle en a aussi... Elle a aussi fabriqué des bombes. Elle avait vraiment un rôle absolument central dans l'organisation militaire. Elle a été arrêtée lors d'une rencontre avec Marcel Reimann. Et comme elle a été la seule femme dans le procès qui s'est tenu à l'hôtel Continental à Paris. Et elle ne pouvait pas, parce qu'on ne voulait pas exécuter de femmes en France pour ne pas susciter l'indignation de la population, elle ne voulait pas elle n'a pas été, elle n'a pas fait partie des exécutés du Mont Valérien, elle a été déportée à Stuttgart, et c'est dans la cour de la prison de Stuttgart qu'elle a été exécutée le 10 mai 1944. Sa dernière lettre est une lettre qu'elle a écrite à Dolores. Et c'est intéressant parce que cette dernière lettre qu'elle écrit à sa fille n'était pas avec elle. Et elle n'est pas la seule femme communiste qui a dû se séparer de sa fille pour pouvoir être militante, de sa fille ou de son fils. Dora en sait quelque chose. Le parti les avait incités, là en l'occurrence, son mari s'est mis à l'abri. Mais parce qu'il était recherché à la suite d'une arrestation manquée. Mais elle était sommée de continuer à militer et de mettre son enfant en nourrice. Elle n'est pas la seule. De nombreuses jeunes femmes communistes ont dû faire exactement le même choix. Elles ont dû, en fait, envoyer leurs enfants à la campagne pour pouvoir continuer à militer. Autre femme, autre parcours. Mila Racine. Alors là, on est dans un scénario totalement différent. Mila Racine est née également à l'étranger, à Moscou en l'occurrence, mais elle est arrivée très jeune à Paris. Elle était active au sein de la VISO et elle a quitté Paris au moment de l'Exode et elle était sioniste. Elle était sioniste. Et dès le début de l'occupation par les Allemands et tout de suite après la défaite, elle s'est consacrée à l'aide aux internés dans le camp de Gurs, à côté d'autres assistantes sociales, juives et non-juives. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, qui me paraît intéressant à souligner, et c'est le fait qu'on parle parfois maintenant, et on y reviendra, du sauvetage comme étant une forme de résistance. Mais on commence au sauvetage comme si rien ne l'avait précédé. On ne parle pas du militantisme social qui a précédé. Or, le militantisme social n'était pas moins résistant qu'autre chose. Il n'était pas moins résistant parce que c'était, en ce sens, lutter contre la paupérisation, contre l'internement de femmes
qui étaient persécutées parce que juives ou parce qu'étrangères, mais surtout parce que juives. Et donc il y avait là une action qui était subversive dans sa signification. Elle pouvait être légale par moment, mais l'objectif était plus important que le moyen employé. Et par conséquent, c'était peut-être légal en usant de toutes les brèches laissées par l'administration française à un certain moment de cette activité. Mais lorsque la clandestinité s'imposait pour obtenir le même objectif, ben c'est devenu une action clandestine. Mais la résistance ne commence pas quand ça devient clandestin. C'est au moment où on souhaite contrecarrer les projets des nazis d'emblée. Et c'est ce qui s'est passé au sein de ce qu'on peut appeler la résistance sociale. Et de ce fait, j'en arrive presque à une conclusion, c'est qu'on peut presque dire, puisque les femmes y ont joué un rôle essentiel, qu'en se penchant sur la résistance des femmes juives, eh bien, on en vient peut-être à la conclusion, je mets un peut-être, mais moi je n'en doute plus beaucoup, que la résistance sociale a précédé la résistance politique. Elle n'a pas seulement le même niveau de subversivité que la résistance politique, mais elle l'aurait peut-être bien même précédée. Donc, elle est devenue, après l'été 42, cette activité est devenue une activité de sauvetage au sein du mouvement de jeunesse sioniste qui fonctionnait en fait avec les éclaireurs israélites et l'OSE. Et elle a été amenée à convoyer clandestinement vers la Suisse des groupes d'enfants juifs. C'est un de ces convois qui a été intercepté par les Allemands. Et elle a été, le 21 octobre 1943, elle a été, donc son convoi a été intercepté, elle a été emprisonnée et elle a été déportée. Mais alors là aussi, ça devient intéressant. Et on en revient à cette liaison entre le social et le politique. Elle n'a pas été reconnue comme juive par les Allemands et donc elle a été envoyée à Ravensbrück. À Ravensbrück, où elle a porté le triangle rouge, le triangle des déportés politiques, celle qui faisait de la résistance sociale et puis qui s'est transformée d'aide à ceux qui étaient persécutés en sauvetage d'enfants juifs, est devenue une déportée politique. Donc je pense que là, il y a quelque chose de particulièrement intéressant et elle a été atteinte par des éclats d'obus lors d'un bombardement en mars 1945 et elle a succombé à ses blessures. Une troisième femme, Irma Miko. Alors là, on a une juive venue de Russie qui était russe, qui était française, qui était naturalisée française, qui était française mais qui était sioniste et qui avait donc le regard porté vers la Palestine qu'elle souhaitait rejoindre. Et elle n'a pas pu rejoindre la Palestine. Donc, Irma Miko. Alors là, au niveau des identités, on est dans une espèce de mosaïque assez intéressante. Irma Miko, elle aussi, a grandi dans une famille juive en Roumanie, mais une famille germanophone. Donc, en fait, elle était de culture germanique. C'était une région qui était assimilée à l'Autriche, qui est devenue roumaine après la Première Guerre mondiale. Elle est entrée à l'université à 17 ans et elle a renoncé à des études de piano. C'était manifestement une pianiste très douée. Elle y a renoncé pour militer au sein du Parti communiste. Ce qui nous montre autre chose, c'est que toutes ces militantes, et les militants d'ailleurs également, avaient une autre vie, avaient en eux, outre le militantisme, des potentialités absolument extraordinaires. Elle eût été une excellente pianiste. Elle est arrêtée en 1932, puis libérée grâce à sa famille, envoyée faire des études en France. Elle revient après un certain nombre d'années. Elle continue à militer au sein du Parti communiste. Et là, en 1937, le Parti communiste roumain décide, c'est pas seulement qu'il y a la persécution contre les Juifs, c'est qu'en 1937, le Parti communiste roumain, qui était composé à 80% de Juifs, décide de romaniser son parti. Et donc, on expédie les militants et les militantes en France afin qu'elles puissent travailler, œuvrer ailleurs qu'en Roumanie. Elle intègre le groupe roumain de la Moye. Son premier mari est un juif roumain et puis elle s'en sépare. Elle épouse un deuxième qui n'est pas juif,
qui s'appelle Julien Micot et qui est aussi un militant roumain et qui va jouer un rôle extrêmement important dans le groupe des railleurs, mais qui est de culture hongroise. Et donc, l'aspect hongrois de son appartenance identitaire s'en trouve renforcé, parce qu'elle parle, elle suit sur ce plan-là son mari. Elle s'occupe des services techniques centraux, mais elle fait ensuite un travail particulièrement intéressant. Elle dirige un groupe de jeunes femmes autrichiennes qui, au sein de ce qu'on appelle le travail allemand, diffuse de la propagande anti-nazie au sein des troupes allemandes, aborde les Allemands, flirte un peu avec eux, essaye de les convaincre, essaye de les recruter. Alors vous imaginez que c'est un travail qui est particulièrement dangereux. Et pour ce faire, elle a sous sa direction un groupe d'une quinzaine de femmes juives, autrichiennes pour la plupart. Il y en a une seule qui n'était pas juive dans le groupe. Sinon, tout était autrichienne. Du coup, c'est toute la culture germanophone qui revient là. Donc, c'est pour vous parler, pour vous montrer à propos de son parcours aussi la dimension de polyvalence identitaire qui caractérise ces militantes. Donc, moi, je sais pas si on peut parler plus juive ou moins juive, j'en sais rien, mais elles avaient cette dimension juive. D'une façon ou d'une autre, elle avait en l'occurrence une dimension germanique, elle avait une dimension roumaine, une dimension hongroise, elle était communiste, elle était femme. Donc il y a une multiplicité d'identités qui se combinent dans son travail. Elle est devenue ensuite responsable de ces groupes parisiens de jeunes femmes. Elle est restée jusqu'à fin juillet 1944. Et elle a échappé plusieurs fois de justesse à des arrestations. Elle a survécu à la guerre. Et la dernière femme, c'est Sophie Schwartz. Et Sophie Schwartz, alors née à lui, juive polonaise, on quitte la Roumanie, on passe en Pologne, qui a quitté la Pologne en 1924, là encore, après une première arrestation liée à son activité communiste illégale. Donc souvent, ces jeunes femmes arrivent avec un passé communiste, dans leur pays d'origine. Et elle a travaillé beaucoup sur l'organisation des femmes, et elle l'a fait avant-guerre, ce qui fait qu'elle a été parmi les premières à créer cette organisation qui s'appelle Solidarité. Et c'est une organisation communiste, mais son nom même, Solidarité, montre à quel point, au début, sous l'occupation, la première préoccupation des organisations juives, fussent-elles communistes, c'était d'aider à ce qui semblait être uniquement une paupérisation et une marginalisation de la population juive. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là. Mais avant-guerre, elle a beaucoup aidé les femmes dont les maris étaient partis pour les brigades internationales. Tout en fait se retrouve d'une façon ou d'une autre. Donc elle a, ce qu'elle a fait, son mari d'ailleurs a été, qui était un des responsables de la section juive de la Moy, on retrouve ce militantisme familial, a été arrêté, déporté et gazé à son arrivée dans les camps. Elle a organisé des manifestations de femmes juives devant l'UGIF pour protester. Ça, c'était typiquement un type d'activité que le Parti communiste faisait faire aux femmes juives ou non juives d'ailleurs, sauf que les femmes juives le faisaient devant les organisations juives, mais il y avait là une limitation directe du type d'activité qui était organisée. Et elle a aussi beaucoup travaillé au sauvetage d'enfants avec Robert Debré et Suzanne Spack notamment. Et après la guerre, mais ça c'est Zoé qui pourrait en parler, elle a été secrétaire générale de la CCE, la Commission centrale de l'enfance, qu'elle a occupé de 1946 à 1950, et ça, c'est une information que je tiens directement de Zoé. Donc, ça, c'est pour les portraits. Combien de temps il me reste pour dire autre chose? En théorie, 0 minute. Bon, alors je laisse, je reviendrai sur les choses. Tu peux esquisser Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, évidemment, je suis d'accord avec Rita Talman, mais ce qui est particulièrement intéressant, et ce que j'ajouterai à ce sujet,
c'est que l'histoire des Juifs a été totalement occultée, que ce soit dans la résistance ou pas dans la résistance, et l'histoire des femmes a été totalement occultée. Donc les femmes juives dans la résistance, vous imaginez bien que c'était une double occultation. Ce qui est intéressant, en revanche, à souligner au sujet de l'historiographie, c'est que l'histoire des Juifs et l'histoire des femmes ont émergé dans l'historiographie au même moment. Et ça c'est quand même assez intéressant. Et évidemment, c'est lié au rôle particulier qu'avaient les femmes dans la résistance, aux différents domaines dans lesquels elles étaient actives. Mais ça, on peut voir, notamment en ce qui concerne le Parti communiste, que c'est voulu d'emblée et qu'un rôle leur a été assigné pour les confiner à un certain nombre d'activités et ne pas les laisser ne pas les mettre au combat. Elles étaient incitées, par exemple, à aider, à sacrifier en fait leur mari, à sacrifier et à les envoyer et à tricoter des chaussettes pour qu'il n'ait pas froid. C'est un petit exemple, mais il y en avait beaucoup de ce genre. Il y a eu des femmes qui ont combattu également. Bon, là, alors là, j'ai complètement... C'est bien. Alors, je vais lancer peut-être la discussion par... moi, j'ai peut-être une ou deux réflexions, mais après, on laisse la salle. On est sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'une première piste de réflexion, c'est ce que tu viens d'aborder, la question de la place des femmes dans l'historiographie. Mais là, si on se place du point de vue peut-être de la mémoire collective, donc la différence... entre les deux, c'est que la mémoire collective, il faut la penser à différentes échelles. Il y a la mémoire d'un État, bon, qui a reconnu tardivement les étrangers dans la résistance, par exemple. La mémoire de groupes spécifiques, donc des associations, par exemple. Et je pense que j'ai deux questions, en fait, une pour chacun d'entre vous. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez raconté sur cette résistance familiale et la résistance en couple, c'est que souvent... c'est une des raisons qui explique après-guerre une moindre reconnaissance des femmes, à la fois dans les demandes de reconnaissance, mais aussi dans la mémoire. Pourquoi ? Parce que alors, ce n'est pas le cas pour la guerre d'Espagne, je poserai la question spécifiquement, mais dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, on a souvent des cas de couples ou de familles avec des enfants qui sont parfois eux-mêmes résistants. Et après-guerre, comment on obtient un statut ? On en fait la demande. Qui fait le plus la demande ? Ce sont des hommes. Et souvent au sein d'un même couple, enfin d'un couple, d'une famille, qui ont agi, donc ce couple a risqué sa vie à parts égales, un des deux fait la demande, c'est l'homme et pas la femme. Et donc en fait, les femmes sont perdantes de ce point de vue-là, elles se sont engagées en couple, mais alors une des questions à poser ce serait, est-ce qu'elles se sont engagées parce que le mari s'engage ou est-ce que c'est pas les femmes qui sont... C'est toujours une grande question, qui s'engage en... De qui émanait ce choix ? Mais en tout cas, après-guerre, le fait d'avoir agi en couple... ne permet pas la reconnaissance du couple, mais d'un des hommes. Et donc la question que je me posais pour le cas de la guerre d'Espagne, dans la guerre d'Espagne, il n'y a pas de reconnaissance officielle. On ne demande pas une reconnaissance en France. Enfin, il y a des reconnaissances. On peut demander des reconnaissances, mais ce qui m'intéresse, c'est plus dans les groupes spécifiques. Par exemple, prenons les femmes juives du Parti communiste. Est-ce que elles sont célébrées, ces femmes qui se sont engagées, que tu as pu suivre ? Bon, j'imagine que certaines, évidemment, sont mortes, mais... quelle est leur place dans la mémoire du Parti communiste par rapport à la place des hommes dans les brigades internationales ? Est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles sont reconnues ou est-ce qu'elles sont leur action est occultée ? C'est une des questions que je me posais en comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, justement. Vas-y, oui. Oh, alors, c'est la question à 1000 euros, ça, parce qu'il faudrait déjà commencer par considérer le moment où le Parti communiste a redécouvert les brigades internationales, parce qu'un certain Joseph Staline a jugé que les brigades internationales, c'était quelque chose dont on pouvait faire largement abstraction, et il faudra attendre la mort du génial leader pour que, enfin, les partis communistes occidentaux redécouvrent cette mémoire, à l'occasion notamment des anniversaires de 56. Et le problème en France, c'est que la mémoire des brigades internationales est associée à un personnage un peu sulfureux, André Marty, qui lui-même tenait les femmes en détestation. Donc ça commence à faire un sacré millefeuille sous lequel se trouvent et les volontaires internationaux, les brigades internationales, et les femmes dans les brigades internationales.
Ça n'a pas empêché pourtant la reconnaissance d'un certain nombre de femmes, mais pour cela, il fallait évidemment avoir une marque un peu particulière, il fallait avoir été résistante hein, pendant 1945, en l'occurrence. C'est le cas notamment de Lise London, hein, que vous connaissez, dont le Parti communiste a pu évidemment mettre en avant le caractère précurseur de l'engagement de Lise London et de son mari, dès lors que son mari était sorti des fourches caudines du stalinisme. Mais là, effectivement, ces personnages féminins-là ont pu, au travers de la résistance, pourquoi ? Parce que la Seconde Guerre mondiale et la résistance ont gommé hein, l'histoire des brigades internationales dans les pays qui ont connu l'occupation allemande. Ça n'est pas du tout le cas aux États-Unis, au Canada, en Argentine, où là, du fait qu'il n'y ait pas eu cette rupture de l'occupation, eh bien, les brigades internationales et la guerre d'Espagne sont le combat antifasciste essentiel hein, et dans lequel la mémoire s'est inscrite. Pour le cas des Juives, j'aurais peut-être un exemple qui est tout à fait éclairant et qui répond à un certain nombre de tes questionnements. Je voudrais parler d'un couple en particulier qui est reconnu dans la mémoire en tant que couple, ce qui n'est pas simple quand même. C'est le couple Brauner. Le couple Brauner, notamment de Françoise Brauner, et le couple Brauner, ce sont des pédagogues, des spécialistes, des pédopsychanalystes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont largement connus pour leurs travaux pionniers sur le traumatisme des enfants au travers du dessin de guerre. Je ne suis pas du tout moi-même spécialiste de cette question, mais le couple Brauner s'est engagé en Espagne dans les brigades internationales, d'abord Françoise et ensuite son mari. Mais pourquoi elle d'abord ? Eh bien, parce que c'est elle qui était une médecin très qualifiée, autrichienne, d'origine juive, tout en ne mettant pas en avant sa judéité à ce moment-là de sa vie. Mais donc, voilà un couple qui a rejoint l'Espagne, dont la femme est partie d'abord, et qui a connu la postérité, mais surtout par leurs travaux de groupe, mais en prenant évidemment les dessins des enfants espagnols, des orphelins espagnols traumatisés par les bombes, comme un point de départ de leur expérience, enfin de leur recherche clinique. Il s'agit évidemment d'une situation tout à fait exceptionnelle qui n'est pas démonstrative de la suite. Donc cette mémoire des femmes dans les brigades internationales, elle procède essentiellement par ce parcours de la résistance, que ce soit parmi les Yougoslaves, que ce soit parmi les Françaises et d'autres. Merci. Et pour René, est-ce que tu as une idée de ce qu'on constate avec ces différents parcours, c'est qu'on a des femmes engagées dans différents, qui sont issues elles-mêmes de différents milieux, de différents mouvements politiques. Je pense à Mila Racine ou à Sophie Schwartz, enfin, ou les communistes. Est-ce que tu as pu aborder dans tes travaux la manière dont elles sont reconnues dans ces différents mouvements et la place qu'elles ont en fonction de la mémoire qui a été mise en avant par ces mouvements-là, la mémoire de la résistance ? Donc on sait notamment que entre les communistes et les sionistes, et d'ailleurs entre les communistes et tous les autres juifs pendant la guerre, il y avait un gros conflit sur la forme que devait prendre la résistance, avec les communistes qui prônaient une résistance armée parallèlement à une résistance de solidarité et de sauvetage, et le reste du monde juif qui disait « attention, la résistance armée va nous porter préjudice, elle va entraîner on va fusiller des otages et on va déporter des juifs ». Et en fait, tuer des Allemands dans la rue, ça n'apporte pas grand-chose en termes d'évolution de la guerre. Donc, il ne faudrait pas mener la résistance armée. C'était un des gros conflits entre les communistes et les autres. Est-ce que ça, après-guerre, on sait le poids de la lutte armée dans la mémoire communiste ? Et donc, est-ce que tu as pu approcher dans les mouvements spécifiquement juifs, communistes, et des mouvements sionistes ou bundistes, la place des femmes résistantes après-guerre ? Écoute, je n'ai pas particulièrement travaillé là-dessus, mais d'abord un chiffre pour illustrer cette occultation qui s'est passée. Et il relève plus de la mémoire ou de la mémoire qu'on construit que de l'historiographie. Sur les 1059 compagnons de la libération, il y a 6 femmes. C'est pas beaucoup. Or, je crois qu'on peut avancer sans risquer de se tromper que sans les femmes, il n'y aurait pas eu de résistance. Il n'y aurait pas eu de résistance parce que c'est elle qui constituait toute l'infrastructure de la résistance. Alors, quelques figures qui émergeaient, de toute façon, on est dans la première partie, l'expression est d'Henri Rousseau, dans une période de mémoire éclatée. Donc, les mémoires sont particulières.
Chez les communistes, non, les femmes n'étaient pas vraiment très présentes. Chez les sionistes, oui, mais pour une raison, je dirais, presque qui est liée aux formes de résistance en effet privilégiées par les sionistes, et parce que ce soit d'ailleurs chez les juifs ou chez les non-juifs, celles qui ont émergé très rapidement dans la mémoire, ce sont les martyrs, celles qui sont parvenues. Donc vous avez Daniel Casanova, vous avez Bertie Albrecht, ça c'est pour des non-juives, et chez les juifs, vous avez Ariane Knut, Mila Racine, Marianne Cohn. Et comme, et ça c'est une des particularités, une des spécificités de la résistance des juifs justement, c'est que comme elle s'est centralisée sur l'aide sociale en ce qui concerne ces organisations sionistes ou organisations sociales comme les éclaireurs israélites de France, comme l'OSE, elles étaient, les femmes y jouaient un rôle particulièrement important. Et quand l'heure du sauvetage est arrivée, qu'elles ont convoyé, oui, elles sont, c'était particulièrement dangereux. Et de ce fait, elles sont devenues des martyrs. Donc c'est souvent en tant que martyrs qu'elles ont été, honorées. Ça, c'est si on parle de la... Alors je voudrais quand même revenir sur ce que je disais. Sur sans les femmes, il n'y aurait pas eu de, il y aurait pas eu de résistance. Une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas émergé non plus dans la mémoire, imaginez d'ailleurs ce, qu'on, de ce dont on parle aujourd'hui. Parce qu'il y a, dans la façon dont le débat se focalise de nos jours, je trouve ça formidable, sur les étrangers dans la résistance, et grâce à Olga et Golda Bancic, on parle également des femmes, ou en tous les cas d'une femme, mais on parle, là encore, des martyrs, et on parle de ceux qui ont fait un acte héroïque. L'héroïsme, dans la résistance, est devenu une des valeurs centrales. Or, les femmes ont constitué toute l'infrastructure de cet héroïsme. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'acte, il n'y aurait pas eu d'acte résistant sans les femmes. Elles étaient les agentes de liaison. C'est elles qui allaient, qui allaient au rendez-vous de repêchage. Ce n'était pas moins dangereux qu'autre chose. Hein. C'est elles qui établissaient le contact entre les différents résistants. C'est elles qui, au moment des actions elles-mêmes, les actions héroïques, qui apportaient les armes à ceux qui allaient exécuter un Allemand, qui récupéraient leur papier d'identité, qui ensuite, à la fin de l'action, venaient rendre les papiers d'identité et récupérer l'arme. C'est donc elle qui se baladait dans Paris avec l'arme tout le temps. Et sans ça, il n'y aurait pas eu d'acte héroïque. Or, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que la mémoire publique va retenir? Elle va retenir l'héroïsme de celui qui a tiré le coup de feu. Et donc, les femmes n'étaient pas là. Et pourtant, sans elles, il n'y aurait pas eu d'acte héroïque. Donc, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles... et puis, cet aspect martyr, en fait, de la mémoire. On retient celles qui sont ceux qui sont tombés. Oui, et j'ajouterais, là, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, ça fait partie du grand débat aussi dans la reconnaissance. Pourquoi les femmes ne demandent pas? Parce qu'elles estiment que ce type d'action était, bah, c'était normal. Et encore pire, toutes les femmes qui n'ont pas fait ce type d'action, mais qui faisaient à manger, par exemple, un aviateur allié qu'on cachait chez elles, qui allaient chercher des vêtements pour un résistant caché à qui on devait prêter des vêtements. En fait, elles risquaient aussi d'être déportées. Et après-guerre, au moment des reconnaissances, ces femmes-là disaient « Mais non, moi, en fait, finalement, j'ai fait mon devoir, je n'ai pas pris de risque, j'ai continué à faire la cuisine, j'ai continué à laver le linge. » Sauf qu'en réalité, les risques, c'était les mêmes risques. Mais ce n'est pas héroïque. Et la figure du héros, là, encore une fois, contribue à cette invisibilisation. C'est lié aussi parce au fait que, d'emblée, la résistance était politique et militaire. Point. Renseignement, c'est-à-dire les politiques et militaires. C'est tout. Et c'est pour ça qu'en travaillant sur les femmes dans la résistance, les femmes juives, en ce qui me concerne,
on arrive à réintroduire la société civile dans la résistance. En parlant des femmes, on réintroduit la société civile dans la résistance. Merci. Je vais passer la parole à celles et ceux qui auraient des questions. Je pense qu'un micro ou deux vont circuler. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend plusieurs questions. Il y avait une question au fond. Au fond ? Oui, tout au fond. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, déjà, j'avais juste une petite chose. Quand vous avez parlé des études de genre, vous avez utilisé le terme « si les femmes, par leur nature », et du coup, peut-être de revenir un peu juste sur ce terme « nature » qui pose quand même problème, qui est assez essentialisant, et donc oui. Peut-être plus de parler de construction sociale, du rôle de la femme au début de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc ça, c'était juste, pardon. Et après, la question que j'avais, c'était sur du coup, les femmes qui seraient passées par le Bund. Est-ce qu'elles ont eu un rôle spécifique dans la résistance et dans la résistance plus armée, justement, vu qu'elles avaient une expérience, du coup, parfois, du coup, du militantisme par aussi le corps, et etc. Et elles ont notamment, je pense aux femmes sur lesquelles j'ai pu me pencher un peu en ce qui concerne le Bund. C'est les femmes qui étaient à la tête des cantines à Paris je veux dire la cantine du Bund était dirigée par une femme et ces cantines, alors là aussi on revient sur le social et le politique, comme vous l'aurez compris c'est un sujet qui m'est cher. Cette cantine du Bund, bon, ben, on donnait à manger aux juifs paupérisés. Est-ce que c'est de la résistance ? Eh bien oui, et parce qu'en fait, la socialisation politique en milieu juif s'est poursuivie pendant toute la guerre grâce à ces cantines aussi. C'est pas seulement qu'on leur donnait à manger, c'est qu'il y avait celle qui allait dans la cantine communiste, celle qui allait dans la cantine bundiste, celle qui allait dans la cantine sioniste, et du coup qui rencontraient leurs amis d'idées et de cœur. Et par exemple, la cantine bundiste, le 1er mai 1941, 150 personnes sont venues célébrer le 1er mai dans la cantine bundiste, en pleine occupation allemande. Donc, vous voyez comment c'est le social et le politique s'imbriquent. Sinon, je n'ai pas plus de renseignements sur le Bund, je suis désolée. Mais je ne pense pas qu'il y avait de lutte armée du Bund. Non. Le Bund, c'était surtout de l'activité sociale, mais encore une fois. Et c'est peut-être mes origines antérieures, pas moi je suis née à Paris, mais qui m'oriente vers ce type de réflexion. Mais dans le militantisme issu d'Europe de l'Est, le social, le culturel, le sportif, le politique étaient imbriqués l'un dans l'autre. Ils ne se distinguaient pas l'un de l'autre. Et donc, à cette époque-là, ce qu'il fallait faire, c'était sauver les Juifs, quand dans la mesure où c'est les organisateurs... Enfin, c'est pas un impératif qui vient de moi, c'est ce que disaient ces organisations. En ce qui les concernait, c'était de s'occuper de ces Juifs qui se cachaient à partir d'un certain moment, mais qui, même avant, tout à coup, étaient privés de gagne-pain. Il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs à ce sujet sur la différence entre les communistes et les bundistes au moment où a été à Paris a été adoptée la on s'éloigne des femmes mais a été adoptée la consigne de boycott de tout travail qui pouvait profiter aux Allemands. Et il y a un texte d'un militant bundiste, c'est pour ça que ça m'y fait penser, envoyé à New York, et qui dit cette consigne elle est bien belle, mais et on ne peut pas ne pas l'adopter avec les communistes. C'était un moment où ils faisaient front commun, mais en même temps ça n'a pas beaucoup de sens, et parce que c'était leur seul gagne-pain. On ne peut pas commander aux Juifs de crever de faim, donc on ne peut pas l'adopter, mais en même temps politiquement on est obligé de le faire, mais en même temps on ne peut rien faire pour l'encourager. Alors que les communistes, eux, encourageaient ces consignes de boycott. Parce que le politique passait avant le reste.
Donc c'est intéressant. Effectivement, parler de nature, c'est essentialisant. L'idée avec les approches d'histoire de genre associées à la question de la résistance, c'est d'étudier la manière dont les rôles sociaux qui résultent de la différence entre hommes et femmes et de ce qu'on impose aux femmes comme rôles sociaux dans la société vont avoir un impact ou non sur les rôles et les jouets dans la résistance. Est-ce que ça détermine les modalités de résistance ? Janvier 43, le rôle des comités de femmes juives circulaire du comité central du Parti communiste français. Les comités de femmes doivent être liés au mouvement de défense, protection et aide pour la mère juive et son enfant, pour voir aux besoins des familles juives, les cacher avec leurs enfants, alors qu'elles, on leur demandait d'aller mettre leurs enfants en nourrice. Participer à la lutte générale de la femme française pour un meilleur ravitaillement. Créer chez la femme juive la volonté de lutte pour opposer une résistance contre la déportation, contre la séparation de la femme et de son mari et de son enfant. Donc on les installait dans cette identité de genre. Oui, enfin moi je voulais poser une question, mais j'ai beaucoup hésité, puis en plus vous avez déjà en partie répondu, mais je vais quand même l'approfondir sur un point. C'est-à-dire c'est justement cette relation genrée, cette position genrée des femmes dans la résistance. Moi, j'aimerais, est-ce que Edward Steele ou d'autres ont étudié la relation homme-femme dans les brigades, c'est-à-dire la relation, par exemple, comment les couples évoluent, comment les couples se forment, ceux qui font des enfants et qui n'en font pas, parce qu'il y a des enfants qui sont faits sur place aussi. Et vous avez parlé de Marty qui n'aimait pas les femmes, je ne pense pas qu'il était le seul, mais il y en avait d'autres qui devaient les aimer et qui devaient avoir une relation sur d'autres résistances. J'ai lu des textes qui étaient assez terribles sur la relation entre les chefs et les jeunes femmes qui arrivaient. Donc, je voudrais savoir si tout ça, vous l'avez un peu abordé sur les brigades internationales, pas que pour les juifs, mais je pense que ça devait jouer un rôle important. Alors, j'ai notamment travaillé sur un témoignage fictionnel qui a été publié par Le Seuil sous le nom de Sigmund Stein. C'est peut-être là que vous tirez vos références. Donc Sigmund Stein, effectivement, c'est un personnage involontaire qui, pris de remords dans les années 50, a décidé de réécrire son propre parcours dans les brigades internationales. Il l'a fait en plusieurs fois, plusieurs versions de son témoignage qui permettent de vérifier les renoncements successifs. C'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est le seul à avoir été publié en France sous la bénédiction d'un historien qui n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il s'agissait d'un authentique, mais ce n'est pas très grave. Je laisserai ça de côté. Il est le seul à donner ce genre d'appréciation sur un comportement, effectivement, des viols collectifs, des choses assez ridicules en soi. Quand on connaît la réalité, qui était la suivante, c'est-à-dire que dans les brigades internationales, les femmes étaient tolérées. Elles n'étaient pas acceptées, elles n'étaient pas souhaitées, elles étaient tolérées parce que on avait besoin de ces femmes. Et dès lors que ces femmes n'étaient pas nécessaires, elles étaient enjointes à quitter les brigades internationales et à quitter l'Espagne. Ça a été le cas dès décembre 1936, où André Marty a jugé qu'il y avait trop de femmes, de sauterelles dans les brigades internationales et qu'il fallait donc y mettre un terme à cette promiscuité des genres. Promiscuité des genres qui était d'autant plus détestable que les femmes dans les brigades internationales osaient porter le pantalon, c'est-à-dire un vêtement militaire. Et ça, pour Marty, c'était évidemment quelque chose de tout à fait inacceptable. Et donc, il a procédé en décembre 1936 à une grande opération de police dans les hôpitaux d'Albacete pour vérifier la présence de chacun des personnes, notamment des infirmières qui, la plupart d'entre elles, ont été priées de bien vouloir quitter l'Espagne à ce moment-là. Donc, pour la présence des femmes dans les brigades internationales, il valait mieux ne pas trop la ramener et se correspondre dans les stéréotypes du Parti communiste, qui était d'autant plus fort qu'à partir de la fin 37, début 38, le Parti communiste a décidé qu'il fallait que les brigades internationales risquaient de faire la démonstration que non, les républicains n'arrivaient pas à gagner la guerre et que c'était les brigades internationales qui étaient bien trop héroïques. Et donc, il s'en est suivi toute une production littéraire pour dire à quel point
les brigades internationales elles-mêmes n'étaient rien par rapport au peuple espagnol héroïque. Et par définition, on a demandé aux femmes dans les brigades internationales de bien vouloir écrire un certain nombre de textes faisant la démonstration que par rapport à la femme espagnole, par rapport à la mère espagnole, par rapport au martyr de la femme espagnole, elles n'étaient, elles, étrangères finalement que des personnalités tout à fait de second ordre. Et cette littérature, elle est restée. Elle est restée parce qu'elle a été publiée à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'elle participait non pas à la publicité des brigades internationales, mais à la publicité du peuple espagnol plus largement. Et évidemment, cette modestie demandée aux femmes dans les brigades internationales, elle a répercuté sur leur comportement du fait du contrôle social, hein, tout simplement, à un moment où la moindre... les difficultés des rapports entre les genres au sein des brigades internationales étaient évidentes. Il était par exemple impossible à une femme de pouvoir justifier sa présence dans un espace militaire dès lors qu'on sortait du cadre sanitaire. Enfin, pour terminer, pour rappeler le poids mortel que put avoir André Marty sur les femmes, André Marty était persuadé que plus la femme était belle et plus elle était, plus elle faisait la démonstration de sa potentialité d'être une espionne. Et donc, il a monté un certain nombre de dossiers à l'encontre de femmes dont il était persuadé qu'elles étaient une espionne. C'est d'ailleurs, ce sont des monuments de littérature en soi. Et pour vous dire, et je terminerai là-dessus, il a même réussi à entreprendre des dossiers contre des femmes qui étaient journalistes à l'Humanité ou qui étaient des personnalités communistes de premier ordre. Alors évidemment, on a dans les archives un certain nombre de courriers indignés d'André Marty se plaignant de ces journalistes trop belles ou de ces compagnes de dirigeants communistes dont il expliquait que finalement, elles n'étaient que des agents de la Gestapo. Donc on est bien loin des bacchanales de Sigmund Stein qui, de toute manière, ne cherchait dans ses mémoires qu'à excuser qu'une seule chose, il était un des patrons du bureau de Paris pour le Birobistan, c'est-à-dire cet Israël fantasmé, cet Israël soviétique dans lequel le Parti communiste, Birobidjan, pardon, a le stand, c'est plus tard, mais Jean totalement. Birobidjan, c'est-à-dire cet Israël soviétique que vous connaissez, bien sûr, et je pense que Sigmund Stein a dû avoir un peu de mal à assumer sa position de petit stalinien à la tête de ce bureau parisien. J'ai deux questions pour Edouard Sill. Justement, Sigmund Stein, mais vous en pensez quoi de son... Attendez, je continue. Hein. C'est un témoignage qui a quand même été assez dévastateur quelque part. Donc, il a été rapporté dans Le Monde comme étant la vérité sur, je me souviens encore du titre, la vérité sur les brigades internationales. Enfin, c'est donc très exposé. Et bon, vous qui avez pu comparer les témoignages et travailler en historien sur cela, qu'est-ce que vous pensez de ce document ? Premier point. Surtout que c'est un document bizarre, puisqu'il il a été détruit, il a écrit après la guerre, si mes souvenirs sont bons, en 1945-1946, et le document a été détruit et réécrit 10 ans après. Donc il y a quelque chose de vraiment curieux autour de ce texte. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, en ce qui concerne les femmes de Roumanie, d'Autriche, peut-être de Pologne et de Palestine, vous avez dit que il n'y avait pas que des motivations politiques, il y avait des situations diverses, des motivations diverses, trouver un pays, se sauver, trouver un point de chute, enfin, c'est mes mots à moi que j'ai essayé de retranscrire d'après les vôtres, mais est-ce que vous diriez la même chose pour les hommes ? Voilà une question. Et alors, puisque j'ai la parole et que je ne vais pas la reprendre, me semble-t-il, je voulais aussi dire qu'il existe un document très intéressant, puisqu'on a parlé des nourrices, c'est celui d'un fils de brigadiste qui s'appelle Georges Vézan. Georges Vézan a écrit un livre sur sa mère qui était en Espagne et ensuite qui a été résistante dans le nord de la France et déportée à Ravensbrück. Et ce livre s'appelle Estoucha. Vous l'avez tous certainement lu et c'est un livre tout à fait intéressant. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a écrit un livre sur son père qui a été fusillé en 1942, aussi dans le nord de la France. Et le titre de ce livre est « Profession du père, fusillé ». C'est ce qu'il mettait toujours quand il était lycéen à 14 ans. « Quelle est la profession de votre père ?» Il répondait « fusillé ». Enfin, voilà, c'était... Et enfin, dernier point, et j'en arrête, c'est... je trouve qu'il faudrait davantage insister sur cette espèce de je ne sais pas quel mot utiliser, mais de symbiose entre
la situation faite aux hommes et aux femmes en Espagne, aux membres des brigades, qu'ils soient dans tel service ou dans tel autre, et le fait de résister ensuite dans la résistance, il y a quelque chose de très fort. On s'appuie sur des... La résistance s'appuie beaucoup sur les Espagnols. Voilà. Bon, on va évacuer tout de suite le cas Stein. Stein, il doit sa popularité à son poste fassier, qui est un historien français trotskiste, qui a voulu, autour de cet honneur qui lui était fait par un grand éditeur français, régler ses propres comptes. Il n'a fait qu'une chose, c'est révéler sa méconnaissance totale des brigades internationales et de l'histoire de la guerre d'Espagne. Voilà. Je veux bien qu'on continue à en parler, mais oui, il a été publié effectivement ce témoignage dans un journal juif new-yorkais après-guerre, effectivement. Il y a donc une première version, une deuxième version dans laquelle il en rajoute un peu plus dans l'outrance. Ça n'est pas le seul. Hein. J'ai récemment écrit un article assez inédit sur un grand auteur allemand qui s'appelle Gustav Regler, que vous connaissez peut-être. Hein. Il a écrit Le glaive et le fourreau sur son propre itinéraire en Espagne. Et bien, cet ouvrage aussi a été réécrit plusieurs fois au rythme finalement du désaveu communiste stalinien même de Gustav Regler, dont les archives nationales ont pourtant conservé ces archives datant de 1937 à 1939, dans lequel évidemment il se présente dans ses archives, dans son journal intime notamment, sous un jour tout à fait différent de ce qu'il peut présenter dans le glaive et le fourreau, qui là aussi traite d'autre chose, qui est l'itinéraire d'un homme qui a pris en maturité, qui a aussi vu les crimes du stalinisme. Évidemment, il s'agit de réinterpréter, de réécrire aussi cette propre histoire intime. À propos de l'Espagne comme un espace d'opportunité pour les hommes, comme pour les femmes, comme pour les hommes, bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve autant dans les brigades internationales des SDF, tout simplement, parce que c'est aussi un endroit où on recrute, où il y a à manger, tout simplement, et c'est une plaie pour les brigades internationales qui doivent s'en débarrasser. J'ai travaillé sur des archives qui pourraient paraître à première vue étonnantes, c'est les refus dans les brigades internationales. Qui est refusé et pourquoi? Eh bien, ça montre justement que pour beaucoup de gens, il s'agit par exemple de gagner l'Espagne après un vol, un crime, après de trouver aussi un espace de sûreté, et parfois d'ailleurs ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Toute la difficulté justement, elle est de savoir pour quelles raisons on va combattre en Espagne, et puis il y en avoir beaucoup. J'ai pu rencontrer des anciens membres du PSF par exemple qui jurent mordicus qu'ils ne sont plus militants, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, on n'en sait rien, peu importe. Ils ont pu avoir la révélation, vous savez, ce moment qui empêche le volontaire de dormir la veille de son départ et qui évidemment provoque aujourd'hui encore en Ukraine le fait qu'un certain nombre de gens meurent pour leurs idées, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir vis-à-vis d'une situation, quel que puisse être leur parcours militant auparavant. Donc l'Espagne est un espace d'opportunité, c'est aussi un pays de cocagne, et je terminerai là-dessus. La vision des médias présentée par les médias de l'Espagne en 1936, c'est ce qu'on peut voir aux actualités Pathé-Gaumont. Et les actualités Pathé-Gaumont, elles présentent des gens heureux, c'est le soleil, on voit des oranges, des femmes belles, on voit un peuple heureux. Et ces films sont projetés à l'automne 1936 à Paris. Eh bien, des Parisiens s'engagent par milliers. Ils arrivent en Espagne en décembre et on les envoie, les deux bataillons de Parisiens, on les envoie combattre à Teruel. Teruel, qui est une des villes les plus froides d'Espagne, et ils doivent par 8 fois tenter de prendre la ville de Teruel alors qu'il neige. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les Espagnols, eux, n'attaquent pas. Et bien évidemment, ça va provoquer des désertions multiples. Donc voilà, les représentations de l'Espagne, elles ont aussi beaucoup joué sur le fait de parvenir dans ce pays, quelles que soient les motivations politiques qui, à mon avis, on a beaucoup trop surestimé le caractère politique des engagements au détriment des émotions, au détriment des circonstances. Oui, moi je vais peut-être en revenir à la question des femmes et des femmes juives, et notamment d'une. En présentant, d'abord, je suis le fils de Catherine Varlin-Winter, qui en fait s'appelait Judith Haitine, et qui évidemment était, enfin évidemment, d'abord n'a pas été martyr, parce que sinon je ne serais pas là, mais qui a été très largement engagée dans les FTP-MOI dès la fin 42 à Grenoble, puis surtout à Toulouse, et puis ensuite dans un maquis dans la Meuse, qui a donc très largement traversé l'histoire de la résistance. Et qui a longtemps effectivement été oublié. Et
une des premières fois où sans doute elle a été amenée à parler de ça. C'est sans doute à peu près au moment où il a dû y avoir l'article de Rita Thalmann, ou en tous les cas d'un colloque, dont je crois qu'il était le colloque du RICO, qui devait parler à peu près de la même chose, dont je crois qu'il parlait d'un monde englouti, qui était effectivement l'histoire des femmes dans la résistance, et à qui il lui a été posé comme question à elle de savoir effectivement qu'est-ce qu'il en était de son identité de femme et de juive dans son engagement de la résistance. Et où elle a dit, assez paradoxalement, que finalement, cette question-là s'est moins posée dans son engagement direct qu'après, d'une certaine manière, la guerre. C'est-à-dire que son engagement direct, il était plus lié au fait qu'elle était d'abord jeune, très jeune, 17 ans, et qu'effectivement, c'était une sorte d'aspect un peu naturel que de s'engager, en tous les cas, vu l'histoire qu'elle avait, mais pas forcément d'ailleurs l'identité juive complètement. Je pense qu'évidemment, ça avait dû jouer. Mais que donc, elle disait que la question d'être femme et juive s'est posée finalement après, par justement l'absence de cette question-là dans la mémoire de la résistance, en fait. Et que c'est après, d'une certaine manière, qu'elle a considéré que c'était quelque chose qu'il fallait effectivement mettre en avant. Et finalement, elle a un peu émergé, en même temps, en effet, qu'a émergé un peu l'histoire de la résistance juive, et notamment celle de l'engagement qu'elle a eu à la 35e brigade à Toulouse, qui longtemps a été effectivement aussi oublié. Voilà. Et y compris d'ailleurs parmi les hommes qui ont dirigé cette 35e brigade, comme Marcel Langer a été assez oublié, et ensuite Victor Barda, qui a pris la suite de ça, a lui été encore plus oublié. Alors peut-être qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui ont été oubliés parce que juste ils étaient étrangers et que pour certains d'entre eux, ils sont revenus dans leur pays. Et que le fait qu'ils reviennent dans leur pays fait qu'ils ont disparu de la mémoire, effectivement, en France. Mais je pense très largement à ce que vous disiez aussi sur, et je m'en arrêterai là, sur la nationalisation de la mémoire, et notamment aussi celle du PCF, comme des gaullistes, d'ailleurs, je pense, qui a fait qu'effectivement, très largement, on ait dissipé, effectivement, l'histoire des Juifs et des femmes en même temps, d'ailleurs, effectivement. Je voudrais ajouter quelque chose sur Catherine Verlin, parce que j'aurais dû la citer en effet, parce qu'elle a eu un, elle est, ce qu'on doit quand même dire, c'est que on a parlé de Golda Bancic, qui était responsable du dépôt d'armement. J'aurais pu parler de Christina Boyko, qui l'opération contre Julius Ritter n'aurait pas pu se passer sans elle. L'une comme l'autre, en fait, si elles avaient des postes de direction technique dans un domaine particulier, prenez par exemple Christina Boyko, elle repérait des cibles, elle les suivait, elle faisait tous les reparages nécessaires, mais au bout du compte, celui qui décidait si l'action allait être menée ou pas, c'est un homme, c'est Boris Auban, c'est pas elle. Donc les hommes étaient toujours, de toute façon, hiérarchiquement au-dessus. Et ce n'est pas le cas de Catherine Verlin. Elle est la seule à avoir été à la tête d'un groupe, du groupe FTPF de FTP de la Meuse. C'est la seule femme. Il n'y en a pas eu d'autres. Et encore, semble-t-il, elle venait en effet de la 35e brigade. Alors, ce qui est intéressant aussi en ce qui la concerne, c'est qu'elle venait des éclaireurs israélites de France. Et il y a tout un groupe dans la 35e brigade qui venait des éclaireurs israélites de France. Elle n'est pas la seule. Et donc, c'est au moment où, chez les communistes, on essayait de recruter aussi large que possible. Et cette 35e brigade, Marcel Langer, tenait son nom d'ailleurs, de la 35e brigade dans laquelle Marcel Langer avait combattu en Espagne. Division. Division. Moi, les histoires militaires, je connais rien. J'en profite pour dire que dans les brigades internationales, des femmes commandaient des hommes, hein ? Le grade de capitaine, c'était le maximum. Chez les communistes français, chez les communistes en France, non, à part Catherine Verlin. On va prendre une dernière question. Bien, merci pour cet état érudit de désoccultation des femmes dans l'histoire. Et en vous écoutant, je pensais à ce qui rendait possible cette désoccultation dans l'histoire, et je pensais qu'avant que n'existe le mouvement de libération des femmes, en France et dans le monde, les femmes étaient tout simplement et partout et dans tous les domaines invisibles. Donc, on entend l'histoire en train de se faire, elle est en fort écho avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société,
Et c'est un état des choses. On voit le basculement des valeurs, puisque, René, tu parlais de la figure du héros et donc de l'interrogation sur ce qui est héroïque ou pas, et où on voit arriver, quelque, par vous, vous l'avez, on l'entend dans ce que vous dites, quelque chose de, d'autres valeurs que les valeurs masculinistes et guerrières qui font le monde. Donc je voulais vous remercier pour ça et poser une question sur les femmes entre elles dans la résistance et moins les groupes des partis, enfin moins comment on appelle ça, ben, le PC avait, enfin les organisations de femmes reliées au parti, que ce qui a pu se passer de femme à femme entre les femmes du côté de la résistance, si on sait quelque chose, et si on ne le sait pas, je suis sûre que bientôt on le saura. En fait, là, je n'ai pas grand-chose à dire. Je dois, sinon que quand on prend le Parti communiste, cette idée qu'il y ait des comités de femmes et aussi des comités de femmes juives, c'est une spécificité institutionnelle du parti qui créait des groupes pour être plus efficace dans chaque secteur. Et donc, il y avait un groupe de femmes, un groupe d'intellectuels, un groupe de médecins, un groupe de juifs, un groupe de yiddishophones, un groupe de etc., etc., etc. Et donc, il y avait un groupe de femmes juives. Et, écoute, la façon dont elles pouvaient... j'ai rien lu là-dessus, ni dans un sens, ni dans un autre, donc je peux vraiment rien dire à ce sujet. Ouais, j'ajouterais, ça rebondit sur la question des relations hommes-femmes. En fait, les relations inter-individuelles, c'est très difficile à documenter, surtout quand on parle de la résistance, parce qu'il n'y a pas de source de correspondance, c'était trop dangereux. Ce n'est pas ce sur quoi on témoigne aussi. En fait, on témoigne plus de choses héroïques, justement. Et donc, ces relations interpersonnelles, c'est pas toujours évident à saisir et c'est pas non plus ce qu'on met forcément en avant dans nos travaux. C'est vrai que c'est une des pistes. Si on réfléchissait, je pense, au renouvellement de l'histoire de la résistance en général et de la place des femmes en particulier, on pourrait essayer de réfléchir à ces rapports hommes-femmes déjà et aux rapports entre femmes qui se nouent. Surtout dans ce genre d'organisation, lorsqu'il y a un rapport hiérarchique. Exactement. Quand vous avez un homme et une femme sont en couple, que l'homme est le chef, mm-hmm. soldat, ça crée toujours des problèmes. Oui. Et en même temps, à l'inverse, c'est ça, quand certaines femmes transgressent les assignations de genre, qu'est-ce qui se passe dans le couple ? Et qu'est-ce qui se passe dans le couple quand on sort de la guerre, si on survit, et que les femmes doivent revenir à leur place ? Parce que c'est ce qui se passe quand même, après-guerre. Les femmes reviennent à leur place. Après la Première Guerre mondiale, c'était déjà le cas, les femmes qui avaient travaillé reviennent au foyer. Mais après-guerre, des femmes qui ont dirigé des mouvements de résistance, on leur demande de redevenir mères. Elles peuvent continuer à militer. Oui. Elles le font beaucoup, mais ce qu'on constate, moi, ce que j'ai constaté dans ma thèse sur les juifs communistes après la Seconde Guerre mondiale, j'interviewais des enfants de militants et je les interviewais toujours pour parler de leur père, parce que c'était le héros que j'avais dans ma thèse, que je voulais en savoir plus. Et souvent, on me disait, mais vous savez, c'était ma mère l'héroïne, en fait. Pendant la guerre, c'est ma mère qui a fait ça, mais après-guerre, bon, il a fallu s'occuper de nous, donc elle a arrêté, et c'est papa qui est devenu dirigeant. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose à creuser, effectivement, sur ces relations interpersonnelles et les relations de couple et de pouvoir. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous.
Vous avez été à la majorité d'avancer à l'époque.